J'ai toujours adoré le vélo. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous disparu. Plus de pédales, plus de guidons, plus de repères. Un dédale. Dans un monde où l'équilibre est interdit, un monde en marche. Vous vous souvenez de la première fois où on vous a lâché en vélo? Pas moi, non. Moi, je me souviens de ma première envolée. Ma première liberté. Celle qu'on effleure. Celle qu'on ressent. Poussée invisible. Libératrice. T'es au courant? Non, t'es pas au courant. Le collectionneur. Il est revenu. Ça fait 30 piges, mec. Qu'est-ce qu'il fout ici? Ça, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui pourrait y répondre. Tu sais bien que je parle plus à mon père depuis qu'il l'a approché. On sait tous que ton père a perdu. Et il est où, le collectionneur? Dans la forêt de la chaîne. Tu t'appelles pas Jacquemin pour rien. Mon grand-père en faisait. Mon père en faisait. Je dis pas ça pour t'y aller. Allez, rentre chez toi. On va boire un autre verre, on va parler d'autre chose. Paul. Laisse-moi! Je me casse, c'est bon, ouais. Détends-toi. Bonne soirée. Je crois que tu rêves. Si tu veux aller plus loin, il va falloir choisir de perdre quelque chose. Ta main ou tes couilles. Comment tu t'appelles? Paul. Jacquemin. Maintenant tu sais pourquoi tu portes ce nom. Et toi? Pourquoi tu gardes le vélo? Vas-y, roule. Non, toi roule. À quoi ça te sert de garder le dernier vélo? Et de le laisser moisir? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas touché le bitume? Et toi? Tu crois combien de personnes ont touché cet endroit du bout des doigts? Oui, tu as été loin. Mais la dernière étape est révélatrice, Jacquemin. Si tu réussis,
tu repars avec le vélo. Si tu échoues, la dernière fois que tu pédaleras, ça sera au fond de ce lac. C'est drôle, l'hésitation, de père en fils. Alors, c'est qui le meilleur cycliste du monde? Tu croyais quoi?